Et bam! Et bam! Et bam bim boum! Je crois que ça marche. Je crois. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce qu'on entend? Je vais arrêter cette merveilleuse musique. Velvet Room de Persona 3. Chanson que j'écoute en boucle depuis... ou depuis 3 heures, je pense. Seul truc qui calme un peu mes nerfs. Mais non, c'est très bien. Allez, hop. Et voilà. Et normalement, tout va bien. Tout va très bien. Donc, du coup, est-ce que tu m'entends? Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que le son va? Alors, attends, audio de bureau. Tac, tac. Voilà, est-ce que les réglages là sont optimaux? Bon, il faudrait peut-être une petite musique quand même. Voilà, est-ce que le son du jeu ne couvre pas ma voix, etc. Oui, c'est presque Elfenlied. C'est presque le Lilium d'Elfenlied. Mais ça ne l'est pas. Excellente série, Elfenlied. Très bien. J'ai beaucoup adoré l'animé. Donc, nous voilà repartis pour du Mega Man X, tout simplement parce que, d'après ce que j'ai vu, le son était dégueulasse. Et du coup, j'avais pas envie de mettre les VOD comme ça. En plus, ma performance sur Mega Man X, bien que je ne veuille pas speedrunner particulièrement, laissait un petit peu... réduit un peu le son du jeu. Oui, d'accord. Son du jeu. Pioup. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il faut que je réduise encore? Nickel. Merci Sirero. Mais en fait, cette démo là du jeu, il te montre absolument tout en fait. C'est assez foufou. Donc oui, je trouvais qu'il y avait un son dégueulasse, il y avait un bruit de ventilo, il y avait tout plein de trucs. Tout simplement parce que j'ai été un gros couillon. Et que j'ai complètement oublié la plupart du temps de changer quel micro j'utilisais. Donc j'utilisais le micro... Le micro de l'ordinateur et pas le micro du casque. Enfin bref, c'est pas bien brillant, je dirais. Mais voilà, c'est réparé. Oui, Elfenlied, c'est vraiment très cool comme série. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, bah du coup, on va commencer gentiment. Et normalement, si tout va bien, vous ne devriez plus entendre le son des cloches. Si tout va bien. Hein, je le répète, c'est si tout va bien. Bon, on va y aller. Alors par contre, parfois, je risque de crier dans vos oreilles. Je m'en excuse d'ores et déjà. Évidemment, je ne tente pas à World Record. Mais j'aimerais bien faire... Allez. Une heure, ce serait un temps qui... Ouais, une heure, entre une heure et une heure et demie. Sachant que je vais sans doute aller chercher des items, etc. Enfin, je vais pas faire une route de speedrun. Mais si quelqu'un connaît ou sait comment configurer un chronomètre sur Mac, je suis preneur. Alors Ninja Gaiden sur NES. Je connais, j'ai testé, c'est dur.
C'est très très dur. J'aime beaucoup Ninja Gaiden, vraiment, mais Ninja Gaiden, faut que je parle plus. Je fasse attention à ma diction, mais c'est très très dur. PS3 Ninja Gaiden. Ah oui, oui, il y a une sortie. Oui. Mais bon, les premiers sont. Enfin, je trouve que les premiers sont vraiment cool. Après le reste, j'ai pas testé. J'ai vu des screenshots, c'est joli, mais ça m'ambiance pas plus que ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, mais merde, c'est comme une main sur la gueule en plus. Vas-y gros, pète-moi les genoux. Ok. Et Zéro arrive quand même à tirer un petit missile pour péter le bras du machin. Moi, je lui mettais ce que vous voulez. Impossible de faire quoi que ce soit. X, tu n'es pas assez fort pour le battre. Allez, du coup, on va refaire les 8 persos, là. Facilité. Enfin, facilité. Ça va, Julien. Je l'ai fait il y a 2 jours. Je devrais pouvoir le refaire. On verra bien. Mais j'ai pas encore le dash, bordel. C'est pour ça qu'on fait pingouin au début, hein. C'est vraiment pour avoir le dash. Et aussi parce que c'est pas un boss très difficile à battre avec le buster. Allez. Ils sont méchants les jeux. Mais t'es sérieux là? Putain. Ah oui, donne-moi le dash. Ça c'était musique. Mais à chaque fois je la trouve vraiment kiffante. Ouais, je la trouve en OST. Bon, je vais te donner les bottes, hein. C'est une capsule, tu connais le système, bref. Pardon, excusez-moi. Re-excusez-moi. Oula. Let's go.
Comment on fait déjà? Voilà. Ah oui, là, les boules de neige. Bon, ça va devenir chaud quand même. 3 PV pour le boss. Marge d'en avoir un peu plus quand même. Bon, bah tant pis. On y va à 3 PV. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Non, 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 viens pas m'emmerder, toi. Ah, mais non. Oh la vache. Je pensais qu'il allait s'accrocher. Bon, tant pis, 3 PV, ok. Allez, mais casse-toi! Ah merde! Oups! Merde! Voilà, et deux. Alors là, d'habitude, enfin dans le speedrun, ils font... ils font le boomerang, mais j'arrive pas à le battre. Enfin, c'est très très difficile pour moi de le battre sans, sans son arme en fait. Sans l'arme où il a une faiblesse. Parce que j'arrive pas. Il paraît qu'il y a une technique droite-gauche, mais. Pour le minder, mais j'arrive pas du tout. Donc du coup. Je le fais legit. Oula! Pas trop bas. Ah non, mais ce machin, je l'aime pas. Ah, et il m'aime pas non plus. Mais vas-y. Fous-toi dedans, c'est bien, c'est une bonne idée. Aïe! Aïe, c'est qui fait mal ce con! Oh là 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 là! Oh, oh mon dieu! Je me suis fait avoir comme un bleu! Bon, concentration. Ah, j'ai recommencé au début. Est-ce que, du coup, avec Mandrill, est-ce que... Non, avec... Avec Pingouin, il prend plus cher. Une bonne question.
Oula. Pas l'air de prendre beaucoup plus cher, hein. Ah non, attends. Oh, dites donc. Je peux avoir des vies, s'il vous plaît. Parce que là, je suis en train de faire le con, ouais. Un peu. Bon, j'ai fait le con. Ma foi, ça m'apprendra. Allez, hop. On la refait. C'est pas bon ça. C'est pas bon non plus. Ah. Putain de poisson rouge. Oh là. Oh là, re. Il va pas me lâcher. Non, il me lâche pas. Oh, putain. Bon, d'accord. J'ai compris. Mais j'ai pas assez pour battre. Ah putain, j'ai plus de vie en plus, je crois. Ah là, ce serait la loose, là. Oh, putain. Bah, on va essayer. De toute façon, j'ai plus de vie, donc soit je réussis, soit je me merde. Mais j'ai pas assez pour lui faire perdre cette proc. Oh là là. Si je me rate sur le premier truc. Il fait peur, mon gros. Au poil de cul. Très bien. Ceci, c'est fait. Mandrill, c'est Topinette. Alors, on va aller chercher. Il tank. Je vais essayer d'aller chercher le cœur aussi. C'est pas de la luck, c'est du savoir-faire, mec. Laisse tomber. Des années d'entraînement et tout.
Mais oui, c'est vrai que... Mais j'ai super bien calculé, en fait. C'était pour mettre la pression, tu vois, c'était pour... Alors, on va y aller peinard demain. Je vais quand même chercher du temps. Arrête, 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 fais pas le con. Ah non, mais c'est pas celui-là, c'est bon. C'est bon, continue, fais le con. Vas-y, vas-y, mais fais n'importe quoi. La chance, c'est pour les gens qui n'ont pas de talent, voyons, tu le sais bien, Cirero. Je vais pas y aller. Hop. Alors je crois qu'ils sont en train de tirer au canon à côté de chez moi, c'est un détail. Oh là là. Je suis assez content de mon niveau pour le coup. Il est pas trop dégueulasse. Ah merde. Je croyais que t'allais me rouler dessus, madame la taupe. Et voilà! Bah, c'est justement parce que j'utilise le micro du casque cette fois. Mais bah, il y a cette histoire de kermesse là en bas de chez moi. Et du coup. Du coup, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais en tout cas, je peux pas faire de l'audio. Ah, mais ici, il donne un cœur joie. Hein. Du coup, taupe. Ben, taupe pieuvre. Alors là il y a les petits machins. Oula, merde. Cheval. Aïe merde. Ouais, je sais pas ce qu'ils font hein. Ils sont très très motivés. Des vies, s'il te plaît. Mais ça loupe des trucs. Ah, mais faut arrêter d'envoyer des pétés à tout va là. J'aime pas ça. Attends, il y a... il est où, machin?
J'ai pas oublié un truc là. C'est une vie ou c'est quoi là, monsieur? Chiotte, chiotte. Vas-y, hop. Ouais, c'est de la vie. Ça me sert pas à grand chose, mais bref. Ah, décidément, ils abattent peut-être un truc à côté de chez moi. Bien la guerre, je sais pas. Alors, normalement, donc, pieuvre, bah, on le fait avec l'arme de taupe. Mais il faut savoir que il est également utile d'avoir le boomerang. Car on peut du coup couper ses bras. En fait, je sais à quoi ça va me servir, la vie que j'ai repris. À éviter de mourir comme un caca. Voilà. Car s'il a ses bras, il peut faire l'attaque tourbillon qui le rend invulnérable pendant un temps. Voilà, comme ça. Non, c'est pas l'anniversaire de la garde suisse. Il y a un truc avec Jean Tinguy, mais je sais pas ce qu'il fout avec des coups de canon. Jean Tinguy, c'était pas un canonnier, merde. Voilà ce qui est fait. On a fini. Pieuvre. Du coup, je vais pouvoir aller faire. Ah, je sais jamais son nom. Boomerang. Puis j'irai faire ma moutte tout à la fin en fait. Ok, c'était une faute d'erreur. Est-ce que je peux faire ça, tiens? Ah bah oui, pourquoi je me fais chier? Arrêtez! Oui, c'est un artiste, j'entends lui, oui. Un brillant visionnaire, non, un fou. Et savais-tu que je l'ai rencontré? J'ai rencontré Jean Tinguy parce que j'habitais dans le même village que lui. Et du coup, le 1er mai, en Suisse, il y a la tradition d'aller chanter. Donc les enfants vont chanter pour récolter des sous-sous. Et il avait la réputation de ne jamais ouvrir, surtout parce qu'il n'était jamais là en fait. Mais une année, on a été chanté à 2 ou 3 et il était là. Il nous a fait entrer, on a chanté, il nous a donné des sous-sous. C'était assez cool, on a vu un peu son atelier, c'était vraiment cool. C'est vraiment une figure du village. Et du coup, on a aussi été tous conviés à son enterrement. Voilà.
Je suis un peu en train de jouer comme un con, hein. Voilà, j'ai rencontré Jean Tanguy. Entre autres, hein, j'ai rencontré d'autres personnes aussi. Alors là, quand j'ai vu à l'UD3 comment il montait, j'étais là, ok. Et comment je monte, moi? C'est pas glorieux. Ah mais je les aime pas, vous. Mais c'est quoi cette merde? Pourquoi je meurs en poule, là? Faut arrêter ça, monsieur. Je me fais victimiser. Le jeu me victimise. Le boss a un PV, c'est chaud quand même. Il me reste une vie, je vais peut-être me laisser suicider. Ah bah non, il m'a eu. Aussi la garde suisse. Ils étaient connus, ces gens-là. Allez, topinambou. Ah non, poule, je suis bête. Pas tout. Eh non, mais monsieur, faut arrêter, t'as pas le droit. Tiens, meurs bien tout seul. Ça va me faire chier. S'il me bat maintenant, ça va me faire chier. Voilà. Je suis vraiment limite. Hein. Ce sera la run de la limite. Une demi-heure, tout plus. On a ce qu'il y a à battre. Caméléon, Eagle et Mammouth. Ça va même être chaud si je veux faire une heure, je pense. Faudrait que je réussisse bien Sigma. Ce qui est pas gagné du tout. Là du coup, on va voir. Là je vais prendre le temps d'aller chercher le cœur quand même. Ok. Eh bien, j'en apprends encore aujourd'hui. Enfin, j'espère que j'en apprends toujours de même, mais... Je m'endormirai moins bête en pensant à cela ce soir. Ouais, alors lui, il va me prendre 3 plombes, de toute façon. Arrête, il faut arrêter de sauter, monsieur. Ça sert à rien. Donne des coups de pince. Ouais, we'll be right back.
Ah merde, il va se tirer. Ah, arrête, monsieur, mais décède, bordel. D'accord. Eh ben, une fois de plus, j'en apprends encore, toujours, toujours et encore. Megaman, je vais te donner une armure que j'aurais pu te donner au début, mais j'ai oublié. Bah ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux? J'oubliais qu'il fallait que je fasse... Ah, vas-y, hop. Ah merde, j'ai oublié ces cons-là. Je peux pas passer dessous. Hein. Tiens, mange-toi ça, donne-moi des vies. La vie, ça ne mange pas. Vas-y, mon grand, merci. Non, je veux pas l'armure. Toujours l'extrait dit l'adieu de la guerre sur sa tête. D'accord. Ça doit être très solennel. Ah merde, trop enthousiaste. Ah mais vas-y. Fuck. Et bim, voilà. C'est vrai. Pas dire du mal des armées des pays, mais de façon générale, je ne cautionne pas particulièrement les armées, mais bref. Allez, piafou! Ah merde! Mais du coup, j'ai pas le lance-flamme, donc je pourrais pas aller chercher le casque, je m'en fous. Parce que je sais pas si je peux utiliser le... Oups. Le casque ne sert à rien à proprement parler, sauf à aller chercher l'arme, le buster boosté avant le moment fatidique. Et si on veut récupérer le Hadouken. Il y a quoi après, il y a une vie, m'en fous. Oh là. Ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que j'ai pas été chercher la vie. Thank you.
Je vais quand même aller voir si je peux choper le casque. C'est difficile à lire pendant que je joue, mais je fais des efforts. Ça marche si je fais ça ou pas? Ah oui, ça marche. Mais fantastique. Donc le casque, c'est juste pour le visuel. Le royal cassé par Écossoise, d'accord. Bah écoute, en même temps, ça m'étonne pas que tu saches tout ça. Je suis pressé, je peux pas, j'ai pas le temps. Foutez-moi le camp. Merci de me pousser, c'est gentil. Se bouffer un canon comme ça, c'est quand même lent. Hop là, et caméléon, là voilà. Reviens! Chaque fois je me fais avoir, hein. Il plonge, je me prends les dégâts. Mais non mais reviens! Du coup, je pourrais quand même presque essayer d'aller chercher le Buster avant. Avant le fatidique zéro, mais comme c'est de la merde et qu'il faut faire un saut au pixel, je sais pas. Par contre, là, il y a un cœur et un e-tank. Flame Mammoth. C'est ce saut à la frame de merde. Pas à la frame. Au pixel, bon bref, on va laisser tomber. Surtout que concrètement, il n'est pas très utile. Je suis rêvé. En plus, il y a une vie. Si c'est pas beau, la vie. Oups. Oh non, t'es sérieux? Mais je peux pas passer là? Non. On va la refaire. Hein. Marre-toi, ouais. Salaud de mineur.
arrêter de m'envoyer des trucs, quoi. Non. Vas-y, mon bouton de son, mon bouton de saut est en grève. Déjà ? Bah on y va, écoute. Je devrais y arriver. Où est-ce que j'ai oublié de faire le saut ? Mon bras, j'ai oublié de faire un saut. Non, tant pis. Ah brrr ! Tiens, bouffe ma tornade. Ah merde. Monsieur le mammouth, t'arrête. Arrêtez. J'ai des... Faut arrêter, monsieur le mammouth. Voilà. Bon, on a fini la partie facile du jeu. Let's go pour la partie difficile. Tu es fort maintenant, viens, on va péter la gueule aux gens. Très bien. Je vais essayer de faire le Vile Skip et le Armaldio Skip. Le Vile Skip, j'ai déjà réussi une fois. Je devrais pouvoir le refaire. Par contre, le Armadillo Skip, je... Malheureusement, je ne garantis pas sa réussite. Parce que j'ai du mal à gérer les distances et les boutons. Arrête-toi là-bas. Oh, mais il y a beaucoup de monde là. Oh non, cette partie. Oh, cette partie. Oh, cette partie. Je sais qu'il y a un moyen beaucoup plus facile de passer via le mur. Non, je suis jamais entraîné à faire ça. Faudrait que je le sache. Alors attention. Ah chier. Raté, je me suis monté trop haut. Fuck. Bon bah vous le verrez pas. Ah, sur ce coup, donc du coup j'ai perdu quoi, il disait 40 secondes. Ouais, il disait 40 secondes je crois dans l'UD3. Tant pis. Après tout, le but n'est pas de faire un score, parce que là je suis déjà à 47 minutes. C'est pas bien brillant, monsieur. Ouais, je sais mec, je sais, vas-y. Viens me péter la gueule. Ah, j'ai fait de la résistance. Ah, salaud. Merde, la bouboule. Par contre, après, je sais pas s'il est sensible à un autre truc. Je vais me sacrifier pour te permettre de lui péter la gueule. Ah mon dieu, je suis à pied et j'ai un canon sur l'épaule.
Je vais me libérer. Merci, voilà. Bon, arrête, mec. T'es casse-burne. Aïe. Oh là, mais il est vénère, hein. Voilà, oui. Fais tes trucs de saut. C'était un grand saut, ça. Voilà, ça c'est fait. Ah, je suis déçu de l'avoir gratté. Faudrait que je me rentre. Zéro, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ah mais non, tu te l'es fait tout seul, abouti. Vite, donne-moi la main. C'est la seule chose qui va me rester de toi, d'ailleurs. Perte de temps. Ouais, je fais des petits tirs roses. Trop cool. Ça, c'est le passage le plus cool du jeu. Voilà. Fin du passage le plus cool du jeu. Ah oui, et en fait, comme ils nous ont donné un tir chargé, bah, faut bien l'utiliser. La petite montée tuto. Ah merde. Et là, c'est quel boss? C'est qui? Ah oui, c'est machin. Oh là. Mais arrête de me coller, mec. Ouais, fais bien ça. Voilà. Et ne donne rien en échange surtout, hein. C'est l'araignée après. On va essayer de faire le plein de vie quand même. Parce que l'araignée est chiante comme boss. Ah sérieux, vous voulez pas me looter une petite vie là? Ouah, ce pas de bol. Merci. C'est le moment. Ouais. Je sens que ça va être épique ce boss. Bon. Je crois que l'araignée c'est la glace. Voilà. Bon, normalement l'araignée ça devrait aller. Je dis bien ça devrait. Mal lu le pattern. Ah merde! Mal lu le pattern encore une fois. Non mais faut arrêter avec tes petits ch'tous là.
Non. Ouf. Ouais, ok, je vais prendre 2 PV, mais tant pis. Glace, regardez la glace. J'aime pas ça. Ouh, ça va être moche. Merde, 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 on va lancer ce petit truc là. Pourquoi ai-je été distrait? La pression, il me reste un PV. Du coup, je suis un peu mal barré. Bon, on va déjà y aller avec ça, et puis on ira au buster après, quoi. Oula. Oula, le son du jeu a décidé de devenir fou. Bah oui. Bah c'est à peu près ça, c'est je suis mal, bah oui. Merde. Ah non, j'ai raté. Bon bah on est reparti pour le buster. Merde. Ça va être long. Surtout si je fais le con. Tiens, je pensais qu'il y avait de côté. Pourtant, je sais lire les patterns de la bestiole. Et c'est pas le machin qui m'est totalement inconnu et tout, mais non. Ah, et le pire, c'est que je suis en game over après. Ah, shit. Zut. Ah non, je suis pas en game over. Bah, j'aurais peut-être préféré, tiens. Est-ce qu'il y a un autre truc qui fait des dégâts? Je vais essayer ça. Non plus. Bon, ben écoute, voilà. Et comme ça. Oups. Voilà. Merde.
Là, j'ai un peu merdé. Allez. Ah non ! Un PV. L'injustice d'un monde. Voilà. Allez, une heure. Non, non, l'araignée, elle est... C'est un boss chiant. D'abord le petit, ensuite le gros. Ah, vache. C'est mandrille, je crois. Ah bah non, t'es pas mort. Je fais n'importe quoi. Ça va, j'ai eu un bon point de vue. Merde, je l'ai pas. C'est pas moi. J'étais au cinéma. J'ai dit, j'étais au cinéma. Monsieur, faut arrêter de me chercher des noises. Ah, mais meurs bien. Chaque fois, je me fais voir. Ah, je glisse pas assez. Voilà. Arrêtez là. Le boss, c'est la godasse. Ah non, non, c'est machin. Ok, c'est le nez, les yeux. Ah, je l'aime pas celui-là. Ah, celui-là, il est très chiant. Allez, commence tout de suite en rouge. Le vert, c'est un petit machin. Le nez... Merde. Le nez, il est pas sympa. Thank you.
Oups. Aïe. Mauvaise gestion des rebonds. Ah non, c'est pas cool ça. Oh là, j'ai pas beaucoup de vie. Oula, 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 oula. Ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Chier, chier, chier. J'avais des... Voilà. Donc, le game over qui vient enfin. J'ai évité le game over depuis le début, donc c'est justice qu'il soit là. Salut, Rexaro! Mais je recommence depuis le début, c'est ça? Non, pourquoi pas. Crame, burn. Ben, si c'est pas moi, c'est Batman qui te pète les dents. Donc, l'un dans l'autre. Alors j'ai un pingouin dégueulasse. Mais c'est pas grave. Ah bah dis donc. Ah, dans le style dégueulasse, il est dégueulasse. Hein. Oh là là. Monsieur, il faut arrêter. Comment vas-tu, Rexaron? Faut arrêter là. Je sais pas si le boss est sensible à quelque chose. Je sais pas souvenir. Oui, alors bon, on va arrêter tout de suite là. Hein. Bon, filez-moi de la vie. S'il vous plaît. Ouais, ok, c'est une vie. Ça rentre dans la vie, d'accord. Donc voilà, bon, là voilà, j'ai rien à dire. J'ai mon, oui, j'ai mon. Alors, le nez, il faut que je me souvienne.
Ah bah t'es pas obligé de voir rouge mec. Ça passe. Bel effort. Allez, plus que le nez. Ce nez de l'angoisse. Non mais... Il me faut un seul tir, ça devrait aller. Voilà. Allez, 1h10. 20 minutes pour faire deux niveaux. Si je me merde pas sur les boss de fin, c'est drôle. Donc, c'est là le... Attends, je vais redescendre un petit peu. C'est là l'astuce où il faut utiliser... Je sais pas... Non. Je sais pas vraiment comment ça se passe en fait. Ah fuck. Ah carrément. Ah tu perds une vie directement. Ok, d'accord. Bon, bah je le saurai pour la prochaine fois du coup. Ouais ok, il monte automatiquement. Il faut que je... Si je veux faire ce machin, il faut que je le travaille parce que je sais pas du tout comment faire. Voilà. Il faut normalement je charger le tir de glace. Te prendre en dégâts, lâcher le tir de glace. Bon, t'as fini, oui. Je peux passer sur ce missile. Ah oui, je peux passer. Voilà. Donc, charger le tir de glace, se prendre un dégât, lâcher le tir de glace. Ensuite, d'après ce que j'ai compris, le bloc nous pousse au travers de la porte, ce qui ne fait pas monter l'écran. Et du coup, si l'écran ne monte pas, on ne voit pas le plafond et donc le boss n'arrive pas. Voilà, ça c'est l'idée. Ça c'était aussi une mauvaise idée. Dans le style, continuons les mauvaises idées. J'essaie de remplir un peu mon tank. Qui est-ce, Caméléon? Du coup, voilà. C'était l'idée générale de comment faire ce skip. Mais j'ai pas réussi. Là ça va, c'est pas difficile. Alors, hop. C'est ça que je veux, merci. Hop, c'est qui là?
vraiment vieillir. Non, c'est pas... chez Poulpi. Je crois que c'est aussi un des seuls Megaman où il n'y a pas de boss rush à proprement parler. Je vais remplir le moment, je vais remplir après. Non, non, mais arrêtez les poissons, arrêtez là. Alors, poulpette. Les menaces ne marchent pas avec moi. Bon, par contre, ça, c'est chiant. Oui, j'ai encore du mal, hein. Ouais, le poulpe, j'ai encore du mal. Je sais plus ce qu'il y a là-haut, mais j'y vais. Monsieur le mammut, le mammut. Salut mammut. Voilà, Mumut, ça s'est fait. Par contre, c'est pas cool parce que le tapis roulant était dans l'autre sens. Alors là, par contre, là, c'est la voiture. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est un boss chiant. Bah, heureusement, il prend cher au niveau du boomerang. Parce que franchement, il est relou comme ça. Voilà. Je crois que je l'ai jamais battu aussi vite que maintenant. Et du coup, je suis content. Et il reste... le boss de fin. Et là, il va falloir que je farme parce que j'ai pas assez. Je suis pas encore au niveau. Au niveau du talent des divers speedrunners. Et du coup, je me plante beaucoup trop souvent. Bon, j'ai fait quoi, 1h20 pour venir jusqu'ici, je suis déjà content. Alors, il faut me donner des vies, les limaces. Hein. Non, pas de la vie comme ça. Ouais, de la vie comme ça. Mais plutôt des gros. Voilà, comme ça. Parfait. Je
J'ai besoin de beaucoup. Oh, je suis presque à un. J'ai combien de vie? 3. Alors, un de rempli. Ah, je vais essayer avec 2. Je suis pas rassuré, mais je vais essayer avec 2. Aïe. Bon, j'en ai 2, c'est parti. Comment physiquement t'apparaît comme ça en fait? Il y a un truc que je comprends pas. Le chien est sensible à quelque chose. Ah merde. Je me prends beaucoup trop de dégâts sur le chien. Ah merde, j'ai pas vu qu'ils avaient le feu. Wouah, je vais mourir. Attends, je me suis fait péter la gueule sur le cabot, quoi. C'est minable. Allez, hop. Bravo, tu as battu mon tutu. Mon tutu. Mais ce sera différent pour moi. Je suis plus gros, plus costaud, j'ai le sabre de Yoda. Ah merde. Je trouve pas que cette phase-là soit une phase de boss très intéressante. Déjà quand j'étais gosse, je trouvais pas terrible. Et voilà mon lascar, tu es fait. Bon. On va essayer de pas mourir comme une grosse merde. Ce qui est de loin pas gagné avec lui, il fait des dégâts de ouf malade. De godin. Alors en fait je vais changer comme ça, parce que si je change autrement... Non mais non mais non mais qu'est-ce que je fais? Que fais-je? Ah putain.
C'est compliqué. C'est très très compliqué. J'ai pas l'habitude d'être de ce côté-là en fait. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Voilà, je préfère être de ce côté-là. Non! Je sais pas ce qu'il va faire. Je vais être de l'autre côté. Au secours. S'il me touche, je meurs. C'est la pression. Allez, la main, viens me chercher. Viens chercher ton loulou. Non! Ah, merde! Chier! Ah, j'aurais pas pris autant de dégâts sur le chien, c'était fait, c'était bon. Ah là 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 là. Ah, il faut que je récupère des trucs. Oups. Bah du coup je vais remplir 3. Mieux vaut farmer 5 minutes de plus et puis éviter une déconvenue supplémentaire. Arrêtez de me donner des trucs pour remplir mes armes, c'est bon, on s'en fait. Ouais, j'aurais eu mon troisième tanker juste avant, c'était bon. Allez, 2-1. Il me faut des vies, monsieur. Voilà. Je sais pas pourquoi je prends ça, mais réflexe, dans le doute. Ouais, celle-là non plus, je sais pas pourquoi. Bon, y a pas de petit profit, mais quand même. J'ai glissé. Et
Et de 2, allez encore un, ça prend 3000 ans. Je vais chercher les petits aussi, parce que... Aïe. Ah c'est dommage, tant pis. Voilà. Bon, j'espère que je vais pas me faire victimiser par le toutou. Je suis pas très fier de moi sur le coup. Je commence à avoir mal au doigt. Voilà. Oui, ça va, chat. Mais est-ce que le chien il est pas sensible à, aux flammes par hasard? Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Non, il a pas l'air d'être particulièrement sensible aux flammes. Bon, on va garder Buster. Et je me fais victimiser. Alors, j'ai fait des tests, donc ça ne marche pas bien. Je vais me laisser mourir. J'ai assez de vie pour... Voilà. J'ai assez de vie pour refaire le truc. Mais j'ai joué comme une merde. Ah merde, question subsidiaire, c'est est-ce que j'ai utilisé le... Alors, attends. Il est plein. C'est bon. Je fais quoi? 1h30. J'aurais pas atteint mon objectif, tant pis, c'est pas très grave. Bah, je vais quand même utiliser le flamme au début parce que comme il fait le. Comme il fait la vague de flamme, voilà. Ça me paraît bien, j'ai enlevé pas mal de points de vie, je crois. Pour un coup, pour un tir gratuit, c'est pas... Ouais, non, c'est pas... Puis en plus, je vais perdre du temps après, c'est... Waouh, là 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 là, c'est quoi ce... Oh là. Ce chien me victimise tellement. Faut que je regarde la strat pour regarder parce que ça ne va pas ça monsieur. Ça ne va vraiment pas. Bah je vais devoir utiliser un e-tank. Hein. J'ai pas le choix. Parce que Sigma me fait 5 points de dégâts. Ce qui est très frustrant avec lui, c'est que quoi que tu fasses, il se prend un point de dégâts. Je sais pas s'il y a moyen de lui en mettre deux d'un coup. Peut-être en dashant et en faisant le buster. Je sais pas regarder. Fuck.
Voilà, un Sigma, et puis maintenant on va encore choper l'autre Sigma. Alors, c'est parti. Il commence déjà fort, machin. Non mais, va, viens, viens là, merci. Ah mais non, mais c'est quoi cette merde? Faut pas venir me chercher pour me foutre un coup de jus droit après. C'est pas du jeu. Un petit tanker là, hop, voilà. Allez, vas-y, fais chier. Voilà. Ah, est-ce que je prends le dernier tanker ou pas? Non, je vais prendre un coup, en espérant que ça ne me tue pas. Oh putain, ça m'a tué! Oh là là, t'es sérieux? Ça me fait chier. Je vais passer autant de temps sur Sigma que sur le reste du jeu, quoi. Joue mieux, comme on dit. Joue mieux. Bon, moi je m'améliore dans le farm. Ça me permet d'être meilleur sur le chien. Ah, je pensais pas qu'il m'enlèverait autant de PV d'un coup. J'aurais pas été très prudent. Bah ouais, je sais bien. Déjà ? On peut faire rien. Non mais le premier try était le bon en fait. J'ai juste été flemmard sur le farm et puis du coup ça m'a... Puis en plus on m'appelle. En fait, parfois, la seconde main, elle vient, mais le problème qu'il y a, c'est qu'elle va passer au niveau de la tête et je prends des dégâts quand elle est à la hauteur de la deuxième main. Donc, je vais tomber. Bon, on va appliquer la technique du « je monte au plafond ». Je te mets un coup de blaster. Ouais, je crois que c'est pas la pire de technique que j'ai jamais trouvée. On a eu du bol sur le coup, là. Non, tout arrête. Voilà, c'est quoi ça? Mais vas-y, je fais la moitié du truc très bien, et puis après, je me vautre. La peur de réussir, je crois. Je peux me prendre une baffe de Sigma. Donc je suis là. Il fait 5 points de dégâts, donc voilà. Les cheveux à la con. Ouais, non, mais je suis mieux. Ok. Je crois que c'est cette phase-là qui est la plus chiante. En fait. Parce qu'elle est pas dure. J'ai raté des entiers. Elle est pas dure, elle est pas intéressante.
Tu es mort, salaud! Il ne reste que ta tête dans ton espèce de ratata géant. Le mec il sourit quoi, il a le méga smile. Je vais te pourrir la vie, misérable! Alors, on va directement utiliser un tank parce que. Parce que j'ai plus de vie. Vas-y, hop. J'aime pas ce côté-là. Bah, on va réutiliser un tank parce que je fais de la merde. Oula. C'était pas facile. Ah là là, je suis distrait. Je suis plus concentré, je suis plus dedans. Après, il y a un... Voilà, je peux faire ça comme ça aussi pour monter sur le mec. Déjà mon dernier tank, génial. Arrêtez avec vos doigts pleins de mains. Ah, mais à chaque fois je tombe, bordel. Comment ça me fait chier, machin. Aïe, yes. Combien? 1h43, d'autres choses près. Bon, bah j'ai au moins amélioré mon PB. Au moins ça. Ouais, en fait, quand je retombe, il faut absolument que je remonte en collant au mur, en essayant de voir le... Salut Tandar, bah tu arrives pile poil pour la fin de Megaman X1. Ouais, c'était super juste. Il faudrait que j'arrive à remonter par le mur en prenant en compte le cycle de la main. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans ce boss-là. Et j'ai un problème, c'est que j'ai l'habitude de garder le bouton d'attaque appuyé. Du coup, quand je peux pas le laisser appuyer comme là parce que j'ai pas le buster, je suis un peu perturbé au niveau des touches. C'est un coup de main à prendre en fait. Mais concrètement, j'ai fait 1h10 de plus que que l'étalon de l'UD3. Je suis pas mécontent, hein, attention. 1h43, moi je trouve que c'est bien. Et je vous laisse le générique cette fois-ci en entier. Je ne coupe pas le générique. Merci Tandar. Bah, je vais commencer le 2. Et le 2, je l'ai fait que la dernière fois, en fait. C'est la dernière fois que j'ai joué, c'était la première fois que je le faisais. Donc du coup, je vais le refaire, et je ne me souviens plus. Alors, il y a le crabe, ensuite il y a l'espèce de truc enflammé. Avec le truc de feu... Ouais, il y en a plein, en fait. Je ne me souviens plus l'ordre des robots. Thunder Slimer. Ouais,
Ah, j'avais pas vu ton message, Chiréro. Oui, le pattern du chien, j'y perds une chier. Et je sais pas. Je crois que j'étais pas trop mal, jusqu'à ce qu'il fasse sa première flamme qui monte pile verticalement pour aller me chercher sur le mur. Puis après, j'ai merdé. Après, j'ai entre guillemets paniqué. La deuxième partie, ça c'est bon, je l'ai fait 3 fois en perfect, donc je pense que ça va. Et puis le dernier, ben voilà quoi. Il faut gérer les mains, les attaques qu'il fait avec sa bouche. Ah, si ce compte, Megaman était foutu de lever son bras à 45 degrés, ça irait. Mais non, il peut pas. Mais voilà, mais je suis assez content. Hein. Du moment que j'améliore mon... entre guillemets, PB. Moi, je suis assez content. Et puis bon, j'ai été chercher le casque alors que j'en avais pas besoin. J'ai été chercher des tankers. Alors j'ai besoin des tankers parce que je suis pas bon. Ouais, le chien. L'avantage du chien, c'est que quand tu charges le ton beam, enfin ton blaster là, ton buster, pardon, il prend un recul quand il touche. Donc tu peux cancel en fait ses rebonds avec un buster chargé, mais ouais, je trouve pas très... Enfin, je trouve assez compliqué le chien. Je trouve qu'il est très, très anthropique. Très RNG, pardon. Comme on dit dans le milieu. Ouais, c'est ça. Faut que j'essaye de... Si je le refais... Je pense que je vais continuer à le refaire. Je sais pas si je vais essayer de faire Enfin, je sais pas si je vais le tryhard jusqu'à un world record. Mais c'est un jeu que j'aime bien, sincèrement. Je l'ai fait 2 fois en 2 jours. À mon avis, il y a moyen que je me lance dans... Si je dois faire un speedrun, celui-là, il me paraît bien. Puis c'est... Le world record était quoi 30 minutes. Donc du coup, peut-être moins, enfin je veux dire, au final je veux pas faire un world record, je m'en fous. Mais du coup, il y a peut-être moyen que j'essaie d'avoir un temps tout à fait raisonnable dessus. Parce que là, 1h40... bon, je suis mort 2 fois sur Sigma, j'ai fait plein de petites fautes, et puis essayer de vraiment apprendre la route du record, enfin la route du speedrun. Éviter d'aller chercher des trucs qui ne servent à rien, essayer des trucs, enfin essayer des machins, bref. Oui, alors j'ai essayé un speedrun sur Pokémon Go. Le problème, c'est qu'en fait, Usain Bolt est passé avant moi et il a le meilleur temps. Parce qu'il faut bien se dire qu'un speedrun sur Pokémon Go, c'est beaucoup de courses. Et je ne suis pas tout à fait taillé pour ça. Oui, tu as gagné temporairement. On se voit dans le 2, mon gros. Je vais te mettre une pâtée. J'en doute pas une seconde. Les boss de fin dans les Mega Man sont quand même... La plupart du temps, je trouve compliqués. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Quant à la technique, ça va. Mais je trouve que tu peux vite te sentir complètement... surchargé d'informations, tu sais pas où tu vas, tu as l'impression que tu vas te prendre des coups partout. Oui, c'est bon, j'ai compris, vas-y. Bref, fin de Mega Man X1. 45 queues de 10 km en une demi-heure d'entraînement. On va se retrouver pour Mega Man X2, hein, écoutez. Alors...